And I do think this is ridiculous because when you look at finances and who controls them, in the US, half of all shares are owned by women. Usually in the household, they control the household budget. So they have a huge sway over everyday finances, but they don't have a voice. One minister in England said that if Lehman Brothers had been Lehman Sisters, perhaps we wouldn't have the credit crunch. I'm not sure I agree with her on that, but it was a good way of putting it. And I think about why this state of affairs has arisen, and it seems, I can only go on what I see around me, something I've studied, but I would say one very big issue, particularly in the UK, is childcare, and I'm sure that's the same all over the world. It's particularly expensive in the UK, and you often get women opting out of their careers to go once they start having a family. Particularly in the last few years, I think it was something, there was a trend towards women working in the 80s and 90s, and it seems to have reversed slightly in the generations we might need. And I think that linked to that is lifestyle. Why would you work 12 to 14 hours a day, which you have to do in the city of London, if you have a small family? It's just not going to happen. And you select yourself out, and once you've selected yourself out, it's very hard to get back in, particularly in careers like business. That's how it seems to me. And sometimes it's just a case of personality and confidence and education. I think all those factors are at play, and that's why women just don't rise up. As to what we do about this, in Norway and Iceland they have quotas. 40, they have this mandated that 40% of boards in companies be composed of women. We looked at doing that in the UK, and just this week those amounts were dropped. It was something they were considering. It didn't go to the point where it was legislation, but it was being looked at. And the reason for that is that it's too much red tape, particularly in a recession, and at the moment in Britain we're in a double-dip recession. I believe they worked in Norway and Iceland, but for me personally, I'm slightly uncomfortable with quotas, and I'd be interested in hearing what everyone else thinks in the mythical worlds or in other countries, France, Georgia, Canada, French on the panel, whether they work, whether they're in favour. I mean, I'd rather do everything on merit and be chosen because of what I can do, because I'm a female. There are reasons to be positive. In the US, 30% of new businesses are started by women, which is pretty high. I think it's 15% in the UK. In Britain, the over 50s are going great guns. So they're setting up a lot of new businesses. So particularly women over 55 are showing a great entrepreneurial spirit. And these are all positive trends, and everything's rolling in the right direction, but slowly, it must be said. I don't think, though, that without change, without more women actually represented in business, in the professions that we operate in, they simply won't have a say. So it's something that has to change, I think, and I'd be interested to hear how everyone thinks that could happen. Donc, autant de femmes ministres que d'hommes ministres, c'est la première fois que ça arrive réellement. Et donc c'était une volonté politique, Florence, je pense que vous allez un peu développer la chose et nous expliquer est-ce que le volontarisme suffit, ou est-ce que ça va se faire naturellement, est-ce qu'il doit y avoir des lois, cette idée de quotas, de parité, est-ce que c'est juste ou est-ce qu'au contraire ça accentue la question des inégalités. Vous avez aussi parlé, Florence, de deux figures féminines très importante dans l'histoire politique française, donc ça fera aussi un lien avec ce que vous a raconté Nicole Bajon. Alors, monsieur Samuel. Bonsoir, je suis parmi l'illustre compagnie qui m'entoure la plus inexpérimentée, donc j'espère que vous serez indulgent et que mes propos ne vous paraîtront pas trop naïfs. J'aimerais en guise d'introduction à mon propos évoquer une récente et importante actualité liée aux élections présidentielles en France, puisque François Hollande, effectivement, a choisi, en composant son gouvernement, d'appliquer la parité parfaite, arithmétique 17 femmes, 17 hommes. Cette rigidité peut susciter deux réactions, une qui considère d'abord que la parité homme-femme est enfin réalisée, et qu'après le déplorable épisode des jupettes, nous assistons enfin à une parité réaliste, une parité qui met les femmes en nombre et au poste important, une parité qui s'appuie bien sûr sur la compétence, l'envergure et le pouvoir. Mais une autre réaction peut se demander dans quelle mesure
est pertinent de promouvoir cette parité en pariant sur, justement, la seule arithmétique. N'y a-t-il pas alors toujours un soupçon sur la compétence, soupçon le plus souvent infondé, et comment le reprocher si le seul quota vient légitimer la présence de telle ou telle femme au pouvoir? Ce choix de la parité qui n'est possible d'ailleurs que sous cette forme, au niveau de la formation de l'équipe et pas au niveau de l'électoral, pose le problème de la discrimination positive. Donc, je ne vais pas ici examiner dogmatiquement ce problème quasi absolu, mais je vais essayer de vous faire part de mon expérience, de mes aspirations, de mon ressenti sur cette question. Voilà, ressenti européen, bien sûr, d'une européenne convaincue, car le problème a tout sens, doit pour nous être posé dans les termes européens. Alors, la situation européenne est problématique dans son ensemble. Je vais donner quelques chiffres, j'espère que je ne vais pas vous faire trop bailler. 64,3% des femmes travaillent, 32% seulement des femmes de 55 à 65 ans, et parmi elles, 31,4% à temps partiel, contre 8,3% des hommes. Il faut évidemment diminuer ces chiffres dans le cadre de l'arrivée des enfants, ce qui est exclusivement évidemment pour les femmes. Il faut noter 8,9% de chômage, contre 7,8% pour les hommes. Et toujours au niveau européen, les femmes gagnaient 17,5% de moins que les hommes, et ce chiffre semble avoir encore augmenté entre 2006 et 2011. Pour ce qui est de l'accès aux responsabilités, la situation n'est pas moins inquiétante. En 2008, 32,3% des cadres de direction et dirigeants d'entreprises privées sont des femmes dans l'Union européenne, et seulement 11% des femmes sont membres de conseils d'administration de surveillance. C'est un peu ce que je disais ici, cela pour le travail des femmes. Pour la situation politique, c'est un peu identique. Toujours en Europe, on trouve 23,9% des femmes dans les chambres basses uniques des pays de l'Union européenne et dans les gouvernements, 26,1% des femmes appartiennent au gouvernement européen. Et on peut parler de la Commission européenne, on a seulement 33,3% de femmes pour le mandat 2009-2014. Alors, qui songerait à les effets d'une personne, hein, ce sont les chiffres, et surtout qui ne serait pas rationnellement habité par la conviction qu'il faut faire mieux, beaucoup mieux. La parité en tant que fait est une absolue nécessité et doit être inlassablement promue par tous les leaders d'opinion, les décideurs. Les transformations sociales ont influé directement sur le rôle des femmes, sur leur poids social. Donc j'aimerais vous parler de deux figures, effectivement, qui pour moi comptent et sont des modèles. Le mouvement d'après-guerre, pour ne pas remonter trop haut, a vu l'émancipation politique et sociale des femmes véritablement se déployer. Et au sein de l'Institut européen où je travaille, inspiré par la haute autorité de Robert Schuman, je n'oublie pas que ce même Robert Schuman, le premier à nommer en son gouvernement la première femme ministre, Germaine Poisson-Chapuis, son parcours représente l'un des tout premiers grands espoirs pour les femmes de jouer un rôle important dans la vie publique de leur pays. Je rappelle quelques éléments biographiques. Née en 1901, docteur en droit romain et était avocate à Marseille, femme engagée, démocrate. C'est naturellement dans la droite ligne de cet engagement éminemment humaniste qu'elle entre dans la résistance au sein du mouvement de la libération nationale auprès de Gaston Defferre. Voilà. Elle joue un rôle départemental à la libération, mais devient très vite un symbole marseillais. Symbole de courage, symbole de force, symbole de conviction, symbole du rôle des femmes dans la résistance. Elle fit par la suite carrière dans la députation. De la santé de la population dans le premier gouvernement Schuman entre 1947 et 1948, c'est la quatrième et cette femme fut pionnière et joua, fût-ce pour peu de temps, un rôle politique majeur. Cet exemple est celui qui peut donner aux femmes l'envie de se battre pour défendre leurs droits, à jouer un rôle dans la construction politique et sociale de leur pays. Je crois beaucoup dans l'exemple, je crois dans l'exemplarité d'un parcours qui devient du même coup un modèle, un symbole à partir duquel d'autres destins peuvent s'élancer. Un combat est jalonné de symboles. Cela a plus de force, pour moi en tout cas, que tous les quotas du monde. Autre symbole exemplaire, je voulais quand même parler de Catherine Deslumières, qui est membre d'honneur de l'Institut Robert Schuman. Voilà, que j'ai la chance de côtoyer régulièrement à l'Institut. Elle fut également ministre, secrétaire d'État. Elle a une grande carrière du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Ce fut elle qui reçut alors Gorbatchev et l'entendit évoquer fameusement son souhait d'une maison européenne commune. Ce fut elle qui favorisa durant son mandat la mise en place d'un réseau d'écoles d'études politiques au Conseil de l'Europe. Elle a été également une grande vice-présidente du Parlement européen et elle dirige désormais la maison de l'Europe à Paris. Alors, ce sont deux parcours, deux enseignements et deux destins inscrits dans les transformations sociales. Qui aussitôt évidemment sont politiques,
Deux modèles que j'ai choisis sous l'égide du grand Robert Schuman, sous lequel l'Europe n'aurait aujourd'hui encore aucune réalité politique. J'ai envie de dire que ces deux destins doivent nous faire entendre combien le combat pour ce droit des femmes a joué un véritable rôle politique et social qui doit s'inscrire dans un projet européen, dans une logique européenne, à la fois par l'harmonisation des politiques de l'Union, réclamée avec tant de profondeur par Jürgen Habermas dans son dernier livre, mais aussi par la volonté de chaque pays membre d'affirmer ce droit fondamental. Mais c'est ici que le problème des quotas doit être soulevé. Ni Germaine Poisson-Chapuis, ni Catherine Lalumière n'y ont besoin de quotas pour ouvrir l'histoire au rôle politique des femmes. Et pourtant, force est de reconnaître qu'elles furent longtemps minoritaires, mais qu'aurait-elle pensé de devenir ministre par le seul fait des quotas? Aurait-elle joué le même rôle convaincu, nourri par une conviction et une confiance totale dans leurs propres compétences? Je pense que ce n'est pas sûr. Car les femmes joueront pleinement le rôle politique qui leur revient, c'est-à-dire au même titre que les hommes, et c'est encore loin d'être le cas, lorsque ce sera leurs seules actions qui seront jugées. Que les quotas arrangent momentanément la situation, c'est possible et c'est effectivement intéressant, mais pour le long terme, pour un destin véritablement paritaire, la force des mathématiques ne fera pas le poids face à la force des immobilismes. Contre cette dernière, la force d'une conviction plus en grande encore, plus de conscience provoquée, non pas par la victimisation, mais plutôt par l'excellence, pourra nous débarrasser des archaïsmes et de toutes les formes de machisme, au prix peut-être d'accepter une proportion, par exemple, de 16 femmes, 18 hommes, ou au contraire, 18 femmes pour 16 hommes, par exemple, tant il me paraît absurde de vouloir une parité stricte pour la forme, qui me semble assez suspecte, et peut-être justement seulement un événement de communication. C'est en tout cas la leçon de ces exemples que j'évoquais à l'instant. Bien avant les quotas, c'est la volonté des femmes politiques, leur action et leurs valeurs qui ont donné et continuent de donner l'exemple. Et c'est dans l'action européenne qu'une solution pourrait être apportée à la justice sociale et politique faite aux femmes. Ce fut là, par exemple, la motivation de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée en 2011 par le Conseil de l'Europe. J'ai eu la chance d'aller écouter Michel Bachelet au Conseil de l'Europe lors d'un déplacement que j'ai fait, qui a justement promu de manière extrêmement intense cette convention, qui est très importante dans la mesure où elle constitue aujourd'hui le premier instrument juridique contraignant au monde en aménageant un cadre juridique complet contre la violence domestique. Désormais au niveau européen, de multiples formes de violence contre les femmes deviennent des infractions pénales et cette violence ne ressortit plus exclusivement du domaine privé. Au nom de l'égalité homme-femme, un outil juridique européen combat un des pires fléaux sur la terre qui tue et blesse tant et tant de femmes. Seul le niveau européen peut résoudre les questions liées à l'égalité homme-femme. Nous pourrons peut-être évoquer plus en détail tout à l'heure le rôle de cette convention lors de la discussion. Je plaide donc pour une politique féministe au niveau européen, seul véritable niveau de décision. Il faut pour cela suivre l'exemple des grandes pionnières de destin qui nous revient d'entendre dans toute leur résonance. Je vous remercie. Merci beaucoup Florence. On va ouvrir le débat avec la salle. Et justement, moi j'aimerais qu'on ouvre le débat sur cette question des quotas. Finalement, est-ce que c'est si choquant d'avoir autant de femmes ministres que d'hommes ministres? Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment en Europe où les femmes sont formées, où il y a autant de femmes compétentes que d'hommes compétents. Et finalement, plutôt que de parler des quotas ou de parité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que c'est la normalité? C'est-à-dire qu'il y a autant que d'hommes que de femmes dans la société, sur Terre. Et donc, ça paraît tout à fait normal qu'on soit dirigé par autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Ça ne devrait même pas être quelque chose d'exceptionnel. Ça devrait être finalement la normalité. Donc finalement, est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin de parler de quotas? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la question qu'on devrait se poser? C'est-à-dire aujourd'hui, les femmes compétentes existent. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas engagées? Parce que finalement, encore aujourd'hui en politique et en économie, on est dirigé par des hommes, par une majorité d'hommes, que les lois sont écrites par les hommes, que les entreprises sont dirigées par les hommes, le pays aussi, et que donc la résistance vient de cette majorité qui a toujours été là et continue d'être là, alors qu'en face, les compétences et les femmes existent et sont bien là. Est-ce que finalement cette question qu'on appelle quota ou parité, ce n'est pas juste une étape pour arriver à quelque chose qui deviendrait une normalité? Voilà, c'est une question que je lance et peut-être que dans la salle il peut y avoir des réponses. On a toujours cette vision de la discrimination positive, des quotas comme quelque chose de négatif, alors que finalement c'est un simple retour